Je voulais vous faire écouter cet extrait jusqu'à ce moment précis où Christophe Boisbouvier amène Succès Masra à faire preuve clairement de son allégeance systématique à la France et au bloc occidental ou pas. Il lui dit, vous comptez sur la France et les pays occidentaux pour avoir gain de cause, c'est-à-dire avoir une élection organisée sous leur coordination. La France et les pays occidentaux organiseraient une élection sous leur coordination et comme ça, vous pourrez battre succès et vous pourrez battre Mahamat Kakadebi sans difficulté. Sachant que vous êtes majoritaire dans le pays, une élection qui serait donc chapeautée par la France, les États-Unis, les Nations Unies, vous sentez que c'est une élection qui serait en votre faveur. De ce point de vue, on vous pose la question de savoir si malgré tout ça, malgré toute la confiance que vous faites à la France et aux pays occidentaux, finalement la France choisit, ce sont les mots de Boisbouvier, la France choisit de maintenir Mahamat Kakadebi pour raison de stabilité, à la tête, donc stabilité des intérêts français, à la tête du Tchad. Qu'est-ce que vous allez faire? Réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous tourner vers la Russie? Réponse de Succès Masra, jamais il n'a été question pour nous de le faire. Et Succès Masra dit plus loin que si un dirigeant de l'opposition tchadienne comme lui devait se tourner vers la Russie, ça serait de la duplicité. Et il accuse Mahamat Kakadebi qui aurait des contacts avec la Russie et en même temps qu'il est bien sûr sous allégeance envers la France, il accuse Kakadebi d'être plutôt lui dans la duplicité. Alors que lui, Succès Masra, lui il est fidèle et loyal envers la tutelle française. Il attend de la tutelle française qu'elle arbitre le conflit entre lui et Mahamat Kakadebi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je veux que ceux qui participent à cette émission fassent des conclusions après avoir écouté. Succès Masra veut donc que la crise politique tchadienne soit résolue sous l'égide de la France, sous l'égide de l'Occident, que ce soit la France et l'Occident notamment qui garantissent le processus électoral dans lequel il sait mathématiquement qu'il a de fortes chances de battre, eh bien, Mahamat Kakadebi. Succès Masra, dans cette interview devant Boisbouvier, fait acte d'allégeance dans tous les cas de figure à la France sur le plan politique, puisqu'il dit que jamais il n'y a eu l'intention chez lui d'être dans la duplicité. Il entend par duplicité le fait d'avoir des relations politiques avec des pays qui ne sont pas approuvés par la diplomatie française. Il appelle ça duplicité. Or, c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui. L'Afrique n'appartient à aucune puissance étrangère. L'Afrique appartient aux Africains. Il s'ensuit que tout peuple africain, tout dirigeant africain authentique doivent revendiquer le droit des Africains de tisser des relations internationales avec toutes les puissances de leur choix. C'est-à-dire qu'un authentique dirigeant africain du Tchad doit revendiquer le droit du peuple tchadien d'avoir des relations avec les Américains, s'il le veut, avec les Français, s'il le veut, avec les Russes, s'il le veut, avec la Chine, s'il le veut, et même le droit de diversifier son partenariat stratégique en fonction de ses intérêts. Or, Succès Masra nous dit que jamais il n'a envisagé la diversification du partenariat stratégique du Tchad. Que tout le problème politique qui se pose au Tchad, il souhaite qu'il soit arbitré par la tutelle néocoloniale française. À partir de là, Succès Masra ne peut pas se positionner comme un panafricaniste. À partir de là, il peut même très difficilement se positionner comme un nationaliste tchadien. Car un nationaliste revendique la souveraineté de sa nation. Un panafricaniste revendique le droit des Africains d'avoir des relations stratégiques, des relations géopolitiques libres et multilatérales. Le droit des Africains de n'être la chasse gardée de personne. Voilà la démonstration élémentaire que je voulais donner des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec mon jeune frère Succès Masra, les raisons pour lesquelles j'estime que son nationalisme est matiné de vassalisme, de vassalité, et que son panafricanisme est tout sauf révolutionnaire. Ce n'est pas un panafricanisme de libération, c'est un panafricanisme de soumission.